Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans ce tutoriel, on va vous présenter comment faire des œufs mimosa. Alors, pour cela, il nous faut des œufs durs. Ensuite, il nous faudra une assiette creuse et une petite assiette plate. Ensuite, il nous faudra de la mayonnaise. Ensuite, il nous faudra un couteau. Et pour finir, une râpe à fromage pour pouvoir râper le jaune d'œuf. Voilà tout ce qu'il nous faut pour réaliser nos œufs mimosa. Alors pour débuter, on va essayer de ciseler de la salade pour décorer notre plat. Donc voilà, ici on a un ciseau, un triple ciseau, donc c'est bien plus facile. Voilà, ça c'est pour décorer le fond de notre assiette. Ensuite, on passe à la découpe des œufs durs. Donc on les coupe en deux. On va mettre le jaune ici. Le jaune dans l'assiette et le blanc dans l'assiette décorée. Même opération pour les 4 œufs, voire plus, si vous avez une grosse faim. Voilà, nous avons découpé nos 4 œufs. On a placé les blancs dans l'assiette décorée et les jaunes d'œufs, on va s'en occuper maintenant. Donc, on les place dans la râpe. Et ça, on va les écraser pour mettre dans la maillot. On en garde un petit peu, qu'on écrase pour mettre dans la mayo pour faire un peu plus consistant. Mélange bien. On va remplir nos blancs d'œufs à la petite cuillère. Voilà, on a rempli les blancs d'œufs. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Vous voyez le résultat pour l'instant. Maintenant, on va râper les jaunes d'œufs qu'on a mis dans la râpe à fromage. Et on va râper pour parsemer le jaune d'œuf dessus. Et très minutieux. Et voilà. Et pour un peu de couleur, on va rajouter quelques tomates cerises. Et bon appétit!